Bonjour et soyez à nouveau le bienvenu dans l'atelier. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire belge. Non, pas comme ça. L'histoire de ce fusil. Il s'agit du fusil belge Comblain 1871 pour la garde civique, aussi appelé Comblain de bronze. Alors, avant de plonger dans la mécanique, quelques mots sur la garde civique en premier. Il s'agissait d'une milice qui fut créée dès 1830, donc vraiment à la naissance de la Belgique en tant que pays indépendant. Et le devoir de la garde était de garder la paix, intervenir en cas de grève, des émeutes, catastrophes naturelles, et aussi de garantir l'indépendance du territoire belge. La garde fut formée en 1830, donc dès la formation de la Belgique indépendante. Et vous pouvez vous imaginer que les premières années, il y avait beaucoup à faire avec les différentes factions politiques qui manœuvraient pour le pouvoir. Et il y a aussi eu beaucoup de périodes de paix où il n'y avait pas grand-chose à faire. Et puis on les a considérés un peu comme les soldats du dimanche. Très beaux dans leurs uniformes vert foncé, mais voilà, c'est tout. Mais néanmoins, il y a eu quelques périodes où ils ont été appelés, notamment 1847, où il y a eu une très mauvaise récolte en Belgique. Et là, bien sûr, la population était quand même assez tendue avec le manque de denrées. Ensuite, l'année d'après, 1848, il y a eu encore une révolution en France. Et là, la garde civique fut mise en alerte, puisque voilà, on ne sait pas trop ce que les voisins vont faire avec le Second Empire. Et peut-être de nos jours, on pense à la garde civique, surtout avec leur intervention en 1914. Officiellement, ils n'auraient pas dû intervenir. Il y avait une stricte interdiction de participer au combat. Et puis, en effet, ceux qui pouvaient se sont vite enrôlés dans l'armée belge pour continuer le combat. Mais ceux qui ne voulaient ou ne pouvaient pas, ils ont pris leurs fusils et puis sont allés combattre à côté de leurs camarades de l'armée. Et il ne faut pas penser qu'ils étaient tous armés de fusils Mauser. Loin de ça, le Comblain était encore présent. Et ils se sont combattus vaillamment. Alors, pendant l'occupation, la garde fut démantelée, bien sûr, mais ce fut seulement officiel par décret royal en 1920. Donc, voilà ainsi un peu d'histoire sur ceux qui ont utilisé ce fusil. Maintenant, voyons voir ce que c'est. Donc, ce fusil Comblain, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un fusil donc monocoque, chargement par culasse. Un cartouche pour deux noirs, assez svelte et élégant, et du type bloc tombant. Donc, quand on ouvre la culasse, nous avons un bloc de verrouillage qui descend verticalement dans le boîtier. Et ce qui est assez particulier avec le Comblain, c'est que tout le système mécanisme de détente bascule avec lui vers le bas. Et lors de ce mouvement, le chien est armé automatiquement et tout ce qui se trouve dans la chambre est éjecté assez vigoureusement en arrière. Il faut dire aussi que celui-ci, malgré son apparence élégante, est très lourd. Et ceci parce que toutes les garnitures, le boîtier, la majorité des composants internes et la plaque de couche sont non pas en laiton, mais en bronze. Et je peux vous dire que ça pèse son poids. L'idée derrière, c'était premièrement que c'était plus facile à usiner. Et oui, c'est en effet le cas, mais ils sont vite aperçus que malgré tout, c'était un peu une fausse économie. Et très rapidement, donc après les premiers 8500 et quelques, ils ont arrêté d'utiliser le bronze et ils sont passés à l'acier. Donc, Monsieur Comblain, qui était-il? Eh bien, Hubert Comblain était un armurier déjà bien établi dans la région liégeoise. Avant d'arriver à celui-ci, il avait déjà travaillé sur les revolvers à percussion. Il avait un système avec une carcasse ouverte et un chien latéral, un peu comme le revolver cœur britannique. Et d'ailleurs, en parlant des Britanniques,
Ensuite, il a aussi développé une transformation du fusil Enfield, la percussion, pour des essais en Grande-Bretagne. Celui-ci avait une culasse basculante vers le haut et le tout contrôlé par un levier sur le côté. C'est aussi connu sous le nom de Riley Comblain, parce qu'il s'était associé avec un armurier en Angleterre pour donner un peu plus de poids à son fusil d'essai. On l'appelle aussi Comblain 1, avec celui-ci étant considéré comme le Comblain 2. Et donc, en revenant à celui-ci, si vous regardez le système d'en haut, les amateurs du Winchester High Wall, donc la première invention de M. Browning lui-même, ressemblent très très fortement. Et en fait, ils ont les mêmes fonctions, si on veut. Il y a un bloc tombant, il y a un chien qui s'arme automatiquement lors de l'ouverture, il y a une éjection en arrière, de tout contrôlé par un levier. Mais la grande différence, ce que je suis ici, est facilement deux fois plus simple. Oh, qu'est-ce qu'il a dit le vilain monsieur? Il a osé critiquer Sam Browning? Non, j'ai dit que c'était compliqué, j'ai pas dit que c'était mauvais. Mais bon, je vais vous prouver la simplicité en vous le démontant tout de suite. Alors, que faut-il faire pour démonter un comblain? Eh bien, je vous assure qu'il n'y a rien de plus simple. Il suffit tout simplement de défaire cette vis ici. Donc, allons-y. Voilà. Et puis on tire de tout vers le bas. Et voilà. C'est tout ce qu'il y a. Donc là, d'apparence, ça a l'air assez compliqué. Mais je vous assure qu'il y a en fait très peu de pièces. Donc on va continuer à le mettre en pièces. Alors la chose à faire maintenant, c'est de détendre, ou plutôt tendre, le ressort ici. Donc c'est un ressort en V. Il y a un premier bras devant qui applique une force sur la détente. Et le deuxième est accroché avec un crochet au chien. Donc l'outil multifonction dont je vous parlais, ça ressemblait beaucoup à celui-ci, mais avec un cadre fermé. Un huilier était incorporé de ce côté. Et puis le tournevis, c'était en fait la poignée. Donc ça, c'est la version 2.0 de MecoStand. Voilà, il faut juste que ça décroche. Et puis on relâche doucement. Sinon, le ressort va voler. Et voilà. Donc voilà le ressort. Et ensuite, nous avons juste une vis, enfin deux vis si on veut. Là, il y a une vis qui sert d'axe de rotation pour les deux pièces. Et puis l'autre qui est une vis de sécurité pour bloquée. Donc elle reste en place. Voilà. Donc voici le levier. Vous voyez que c'est une pièce massive. Et particulièrement important au fonctionnement sont ce nez ici et cette surface derrière, là, juste devant l'axe de pivotement. Et ensuite, donc voilà le chien qui s'enlève. Vous voyez juste un petit crochet monté derrière. Et le percuteur. Donc le percuteur, vous remarquerez, était une pièce séparée. Donc on pouvait à la rigueur changer. Celle-ci était refaite de manière à ce qu'elle flotte un petit peu. Et voici donc le bloc de culasse, si vous voulez. Celui qui prend toute la force de la cartouche. Et vous remarquerez qu'il y a une surface cylindrique ici. Ça, c'est une conséquence d'un peu de la faiblesse du bronze. Le trou par lequel le percuteur rentre, pénètre dans la face, est conique.
Et ceci veut dire que l'épaisseur de bronze ici autour du trou est très faible. Et ça veut dire qu'à fur et à mesure qu'on tire, là je parle au cours de peut-être quelques mille cartouches ou même plus, il y a un martèlement de cette surface. Et à fur et à mesure, il y a une petite poche, qui est une dépression qui est formée autour du petit trou. Et c'est ce qui s'est passé avec celui-ci. Donc il y a un armurier ici très talentueux qui a réparé cette face. Donc il a creusé un trou, fileté, et il a mis ce bouchon à la place. Et puis aussi soudé avec un soudage à l'argent, juste pour qu'il soit fixé plus ou moins à tout jamais. Je pense que je vais jamais avoir de problème. Il faut remarquer aussi que j'ai aussi vu ce défaut, si on veut, aussi sur les modèles en acier. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est tout simplement à cause de ce manque de matériaux vraiment autour, en périphérie du trou. Enfin, celui-là, il est tout réparé et prêt à repartir. Donc, il reste ici en détente. Mais bon, celui-là, je vais le laisser où il est. Donc, comme vous voyez, voilà tous les composants de la culasse. Celui qui reste ici, c'est l'éjecteur, mais il est tout simple, et il bascule sur la vis ici. Je vais quand même l'enlever parce que j'en ai besoin pour l'étape suivante. Et voilà à quoi il ressemble. Aussi bien épais. Il en a besoin parce qu'il est frappé assez violemment, comme vous allez le voir. Mais d'abord, il faut que je remonte le tout et on ne vous cache rien à mes costands. Alors, vous pouvez aussi y assister, même si vous ne voulez pas. En espérant que je ne me plante pas. Tournevis. Donc c'est difficile de faire ça avec la caméra devant soi, je vous l'assure. Voilà, donc ça c'est l'essentiel. Maintenant, le ressort. Là, il faut que le crochet sur le chien soit dans la position élevée. Nous, on va prendre le tendeur à nouveau. Et peut-être que je l'ouvre d'abord. Ça ira mieux. Voilà. Ok, on est en nouveau à position. Il faut juste attendre jusqu'à ce que le crochet puisse attraper le bout. Encore un petit peu. Et voilà, il est tombé. Vous voyez ici, c'est tout bon. Et voilà, donc j'aimerais bien vous montrer ce qui se passe dans le boîtier avec une belle animation 3D, mais voilà, on n'a pas les moyens. Donc j'ai fait ça à l'ancienne en vous construisant cette belle maquette qui montre à peu près une moitié du boîtier. Donc vous voyez, il y a une fente ici qui est légèrement plus grande en bas qu'en haut. Et sinon, il y a juste
une ouverture ici pour laisser basculer le chien et devant ici pour laisser basculer le devant du levier. Donc je vais vous montrer ça et on va voir ça live, comme ils disent. Voilà, donc voilà ce qui est, comment se situent les pièces à l'intérieur du boîtier. Donc vous voyez, il y a le bloc supérieur ici qui est bien enfoncé, bien aligné avec la chambre qui serait ici. En dessous aussi, nous avons le bas de la pièce qui est aussi bien imbriqué dans la fente, la rainure là. Alors, lors du premier mouvement du levier vers le bas, donc en appuyant ici avec le pouce, vous voyez ce qui se passe. Le chien commence à être armé. Et ça, à cause de la surface ici, que vous voyez, la partie avant du levier que je vous avais montré juste avant l'axe de pivotement. Donc ça commence à pousser sur la pointe ici du chien. Là, on est en position demi-armée, semi-armée. Vous voyez que le bloc descend déjà. Et en continuant, le dernier mouvement, regardez ici, cette pointe-là, elle va venir frapper fortement l'éjecteur. On va faire encore une fois. Vous voyez, voilà. Donc c'est ça qui fait éjecter assez violemment l'étui. Et ensuite, on remonte tout. Et on essaie reparti. Donc vous remarquerez que nous avons donc à la fin la même forme que la rainure de chaque côté du boîtier. Donc c'est un système extrêmement robuste qui pouvait résister à une charge énorme sans problème. Et si on compare donc ça avec le système Browning que j'ai critiqué avant, qui est comme ceci, je crois que vous êtes bien d'accord avec moi que celui-là est bien plus simple. Alors, je vais enlever tout ça et le remettre à sa place dans le boîtier, s'il veut bien. Ah, chameau! Voilà. Donc on va juste tout remettre à sa place. La cartouche est celle-ci, donc c'est une reproduction. C'est la 11x50R qui était déjà en dotation à l'armée pour les fusils Albini Brandin. Donc c'était logique que les fusils de garde civique aient le même calibre. Et il existait aussi une version plus courte, la 11x42, qui était utilisée pour les carabines. Et celle-ci était uniquement en dotation à l'armée pour la cavalerie et aussi pour le train d'artillerie. Celle-ci est refaite à partir d'un étui 11 x 90 sharps. Mais c'est assez simple à faire. Il faut former l'épaulement et puis tailler à longueur, bien sûr. Vous voyez qu'elle est légèrement bombée, mais pas excessivement. Ça, c'est juste ma chambre qui est plutôt généreuse. Donc, vous avez vu aussi que quand j'ai ouvert
le système en début de ces présentations, je l'ai fait d'une façon un peu particulière. Donc, normalement, les systèmes à levier, qui soient pour une culasse tombante ou basculante, normalement on prend l'arrière du levier et puis on bascule vers l'avant. Mais ici, bien que ce soit possible, c'est pas vraiment l'intention. Il y a un crochet ici, et derrière ce crochet se trouve un ressort extrêmement puissant, justement pour éviter tout actionnement intempestif du levier. Donc c'est possible, mais quand on a ça, disons, en posture de tir normale, on ne peut pas vraiment y accéder facilement, ni m'y mettre suffisamment de force. Ensuite, l'autre possibilité, ça serait de mettre le pouce ici. Mais là, justement, quand on pousse vers le bas, on pousse le bout du levier contre son crochet, donc c'est encore pire. Et puis aussi, il y a cette pièce, l'extension ici, qui contient le ressort de la culasse qui bloque le mouvement vers l'avant. Donc la seule possibilité, c'est, lors du tir, c'est de passer le pouce vers en avant, et ensuite tirer vers le bas. Et là, on trouve que ça se passe beaucoup plus facilement, et on a accès donc librement à la chambre pour une cartouche et même pour nettoyer. Donc vous voyez là, on glisse, on ferme, on tire, on fait tour et on actionne. Comme vous voyez, l'éjection est vraiment franche. Donc voici, j'espère, tous les secrets du système Comblain. Enfin, du système. Il reste encore une particularité de ce fusil, mais là, elle se trouve dans la chambre. Donc la meilleure façon de vous faire voir ça, ce serait au pas de tir. Alors le segment que vous allez voir, ce sera dans la langue de Shakespeare. J'ai fait quelques traductions pour vous aider. Donc j'espère au moins que vous pourrez comprendre un petit peu. So here we are on our favorite noisy range, and let me show you the secret I was talking about. This is a reloaded version of the official Belgian round, so 11x50R. It's got a short bottleneck, and this one's got a little bit of a bulge because it's been converted from 50-90 sharps and shot in this chamber, but it's now fits nicely. I've thickened the rim with a bit of key ring that had to be lying around because the original rim was a bit thicker. Anyway, this is as close as you can get without finding particular special brass for it. So, what happens when we fire it? Let's drop it in. Bolt. Now the spring is a bit weak on this, so I may have to recock, but we'll see. It's not the important bit. Okay, it's gone off. Eject. And this is the fired case. I've been shooting this, so that's why it's absolutely filthy. But you can see that the neck has completely gone. And that's because the chamber looks like this. So as you can see, the chamber is actually far longer than the chambered cartridge, and the idea behind that was this extra space in front could build up with fouling all day, and it wouldn't hinder the use of the rifle. So from a military standpoint, fantastic. From a modern reloader's perspective, it's absolute hell, because every time you're forming, you have to reform this shoulder and the brass, and that's going to work it to death, and your cases aren't going to last very long. In fact, it was also a problem back then, because they did reload, and so they came up with something which I've unfortunately not been able to find a picture of, but it's basically a little ring that you would
put over the shoulder and either reduce or stop the expansion. Nowadays, there's another solution, and that is, to turn yourself, some cases, to the length of the chamber. So if we compare the two, you can see there's quite a difference. And there's one I have fired earlier, as they say. There you go, and it basically hasn't budged. The neck, the mouth has expanded, a little bevel here that has expanded out. But otherwise, that's fine. So these are very, very thick-walled cartridges, and they hold a maximum of 55 grains of powder. And there's a little step inside so that the bullet seats correctly at the same point, and it looks like this, and it shoots very well. How many have I got through now? 1, 2, 3. I've got 9 shots off. This one, unfortunately, is a reject because the primer hole's been drilled too deep and it's not going off. They weren't mine, I have to add, so I've had to reshape them slightly on my Kyber lathe so they fit my chamber. So I have another 5 shots to do with these new reloads, and let's see what it do. I must admit, I'm doing it from sitting down because I do want to see what this rifle is capable of and not what mistakes I'm capable of. Since I'm doing leisurely shooting, I'm dipping the bullets each time in an udder cream. Martini shooters will know this as udderly smooth. I believe that's an Australian make. And it keeps the fouling soft. Doesn't matter when you're doing leisurely range shooting. So there you go. That's why these have got funny white stuff on the tip. Stop it. Okay, so hopefully there'll be 15 shots on target. Let's go and see. Alors, voyons voir ce que ça donne. Je dois admettre que c'est pas mal quand même pour 50 mètres avec une vieille canne à pêche comme ça. Alors, voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Celui-là, j'ai commencé à avoir un peu trop d'enthousiasme, mais je l'ai fait debout, sans support, et puis ben voilà. Sinon, le reste, c'était tout avec support, et donc je pense que ça prouve bien que les étuis marchent, donc ça avait bien le coup d'être toutes ces heures dans l'atelier pour les ajuster soigneusement. La balle aussi, elle semble bien convenir. C'est des balles commerciales, donc c'est du plomb durci, au diamètre 0,457 pouces de la marque Berries. Ça fait des années que j'ai cette boîte, donc je ne sais pas si ils sont encore disponibles. Mais voilà, je suis assez content, je dois l'admettre. Alors voici une empreinte de chambre. Elle n'est pas très belle, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça a l'air. Elle est très légèrement conique, et ensuite il y a ce rétrécissement assez sévère, et les rayures commencent aussi quasiment au même endroit. Alors si on met une cartouche réglementaire à côté, on s'aperçoit qu'il y a une différence de 6 à 7 mm entre les deux. Et bien sûr, les résultats, comme vous l'avez vu, c'est que l'étui ressort, et eh bien
quasiment tubulaire, sans aucune trace d'épaulement. Ce qui est aussi surprenant, c'est que quand ils ont révisé légèrement le système Comblain dans les années 1880, il était déjà apprécié que avoir une chambre adaptée à la forme de la cartouche, ou une cartouche adaptée à la forme de la chambre, était balistiquement bien supérieur à ce système qu'ils avaient ici. Mais malgré ça, ils ont gardé la même relation de taille entre les deux. Donc, de nos jours, pour éviter d'avoir des ruptures d'étui en permanence, une solution, c'est d'avoir des douilles avec une paroi extrêmement épaisse, comme celle-ci. Donc là, il y a bien 1,5 mm d'épaisseur, et elle est faite parfaitement à la forme de la chambre. Donc il y a quand même quelques, il y a peut-être 2-3 mm de différence entre les deux, mais bon, ça c'est normal. Je ne veux pas non plus qu'elle soit juste jusqu'au début des rayures. Et donc, grâce à sa forme et à l'épaisseur, elle ne bronche pas lors du tir, et j'aurai pas de problème de fissure, de rupture d'étui. Alors celles-ci ont été faites par quelqu'un d'autre pour son Comblain ou son Albini Brendlin, puisqu'ils étaient dotés du même type de chambre. Alors j'ai dû bien sûr l'adapter très légèrement à ma chambre, donc étui par étui, mais comme vous avez vu, ça valait bien le coup. Celles-ci ont aussi été fraisées très légèrement à l'intérieur, sur à peu près 15 mm, pour donner une portée sur laquelle la balle peut s'appuyer, mais ça c'est pas vraiment nécessaire. Donc, ceux qui ont un bon coup d'œil ont remarqué qu'il y avait une baïonnette avec le fusil. Donc la voici, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la baïonnette Chassepot. Même à mon avis identique, mais je n'ai pas vu les subtilités. Bien sûr, les poinçons sont différents. Ici, il y a un numéro de série et puis deux minuscules poinçons du fabricant. Donc, dans ce cas, c'est Auguste Francotte, donc, qui correspond au fabricant du fusil. Et elle se monte sur un tenon qui est lui aussi identique. Par contre, le fourreau, lui, est bien différent. Il est revêtu de cuir noir et les garnitures sont en laiton. Alors, en tant que fusil de garde civique, il y a eu une optimisation, comme j'ai dit lors des discussions des étuis, 1881-82, il y a eu une optimisation de la fabrication et du contrôle de qualité du fusil. Donc, le système est resté identique, mais les pièces, surtout au niveau de la construction du boîtier, ont changé, juste comme j'ai dit, pour optimiser un peu le processus. Et ils ont remodelé aussi le bout du chien, donc il est recourbé vers l'arrière au lieu d'être en avant maintenant. Tout était bien sûr en acier. Et ils ont aussi profité d'occasion pour changer la baïonnette, donc fini la grosse lame Yatagan lourde, et ils ont introduit encore une épée, mais bien plus légère, avec une lame en T, donc comme le fusil gras. Alors, en termes de service en Belgique, il y avait donc les fusils de garde civique, il y avait les carabines de cavalerie et les carabines de train d'artillerie. Mais il y avait une quatrième, et ça, vraiment, à la fin des années 80, il y a eu aussi un mousqueton pour les gardes champêtres. Donc c'est vrai que pour ces gens-là, un petit mousqueton monocoque léger était encore parfaitement adéquat. Alors en dehors de la Belgique, en fait c'est en Amérique latine que le Comblain a eu le plus de succès, car le Brésil, le Pérou et le Chili ont tous les trois adopté le système Comblain comme arme réglementaire, et ils en ont acheté par milliers. Donc c'est là-bas qu'on en trouve le plus.
Et si vous voulez en savoir plus sur ces modèles, parce que là, j'y connais vraiment rien, vous pouvez trouver ce livre. Il est en anglais, mais les informations dedans sont magnifiques. Tout ce que vous voulez sur les contrats, les modèles, les numéros de série, les points sont vraiment, tout y est. C'est vraiment une œuvre magnifique. Aussi, si vous examinez plusieurs comblins, vous allez vite remarquer que tous les fabricants sont différents. Il y a toujours des poinçons différents, et ça c'est tout à fait normal. Ils ont été fabriqués par un, ou on va dire plusieurs, des fameux syndicats liégeois. Et donc celui-ci, comme j'ai dit, a été fabriqué par Auguste Francotte, mais il y en a beaucoup d'autres fabricants. Juste comme ça, Pirlo, Beuret Frères, Mordant, voilà, il y a toute une liste. Et puis bien sûr, ces syndicats étaient, on va dire, fluides, donc ils avaient une existence éphémère, un ou deux ans, il y en a qui ont duré un peu plus, mais bon, ensuite les membres se sont scindés, reformés un autre syndicat, donc c'était en permanence en train de changer, d'évoluer. Et puis cette grande tradition de syndicats a abouti bien sûr à FN, que nous connaissons de nos jours encore. Voilà, je crois qu'il n'y a plus grand chose à dire sur le système Comblin. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous n'êtes pas endormi, j'espère. Non, vous êtes là? Bien. Alors, dans ce cas, je vous remercie infiniment. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, si vous voulez. Envoyez-nous des messages, des questions. Et aussi, je remercie tout spectateur qui nous aide financièrement à travers Patreon. Vraiment, sans vous, on ne pourrait pas continuer à faire des vidéos comme ça. À la prochaine !